bani să ne fii. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez. Alors aujourd'hui je suis trop contente parce que je vais enfin répondre à l'une de vos demandes qui est de faire quelques petits attachés de foulard avec des foulards Japadé safe. Je suis trop contente, il y en a un qui n'est pas safe, c'est celui-ci. Alors si vous n'êtes pas encore au courant, les foulards safe en fait ce sont des foulards avec du satin à l'intérieur. Du coup c'est super super pour pouvoir protéger nos cheveux en fait. Donc vous savez très bien que les frottements et tout ça, c'est ce qui casse nos cheveux là. Et puis l'hiver approche, si vous ne voulez pas forcément porter de tresse ou quoi, et ben c'est toujours une bonne manière de protéger vos cheveux. Après là, ce sont les derniers qui restent, ok? Donc soyez vives, les filles, soyez vives. Les premiers arrivés, les premiers servis tout simplement. Et puis bien sûr, on aura d'autres collections qui vont rentrer, donc ne vous inquiétez même pas pour ça. Mais en tout cas, ce ne seront pas des similaires, mais le concept restera le même avec de nouveaux tissus, etc. Je vous dis, les filles, soyez armées pour l'hiver qui arrive là. Bon, on n'est pas encore en hiver, mais on commence à voir ce changement de température et tout ça, donc c'est vraiment idéal en fait. Alors mes cheveux sont lavés, nettoyés et tressés. Comme vous pouvez le voir, il y a des petites bosses un peu partout et tout ça. Ok, j'ai fait des toutes petites tresses qui ne ressemblent pas à grand chose. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de vous montrer, sinon je vais m'afficher. Alors on va commencer par celui-ci que j'aime beaucoup beaucoup, c'est l'un de mes préférés, qui s'appelle Tilapia Pepe. Vous savez très bien que c'est moi qui ai donné les noms quand ça sonne comme ça. Il n'y a pas vraiment de façon d'attacher son foulard. C'est vraiment à vous d'être créatif avec ça. Il suffit de faire des nœuds et de voir comment ça peut tenir tout simplement. Et voilà. D'habitude, je ne laisse pas ça. Hein. Je mets directement ça parce que c'est en soie et du coup, ça protège mes cheveux aussi. Je pose ça sur ma tête. Je vais faire un petit nœud peut-être. Alors là, c'est vraiment à vous de voir si vous voulez que la doublure se voit ou pas. Moi, ça m'est égal. Je trouve que ça va super bien les tons ensemble. Hein. Mais on va faire sans la doublure, juste pour avoir quelque chose de neutre. Hein. Comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que littéralement, je cache la doublure en pliant, tout simplement, comme ça. Vous voyez? Voilà. Je fais une sorte de twist comme ça. Je ne pars pas vraiment dans un sens logique, mais plus illogique pour que ça donne un peu plus de volume. Un truc comme ça ou quoi, je trouve ça super élégant. Je regarde un peu où il y a de l'espace et où ça peut tenir. Si je vois que ça ne tient pas, bah je change d'endroit. Mais l'idée, c'est vraiment de trouver un endroit où ça va bien tenir pour être confortable durant la journée. Et voilà, moi j'aime bien ça. Voilà, j'ai décidé de faire ce modèle-là. Et après, j'aime quand même faire paraître un tout petit peu, voilà, une petite boucle d'oreille ici. Si vous avez de grosses boucles d'oreilles, vous pouvez porter ça. Voilà pour le premier modèle. On va l'appeler... Je n'ai pas les dents. Tu vois, parce que j'ai fait le tour comme ça, tu dis, je n'ai pas les dents. Donc voilà, vous avez votre premier modèle fait avec le foulard Tilapia N Pepe. Confortable, mes cheveux sont protégés. Je fais ma journée au calme, ok? C'est exactement le même modèle que le premier modèle que j'ai fait. Sauf que le premier, le tissu est plus pour les personnes qui sont assez discrètes et tout ça. Mais si vous aimez quelque chose de plus imposant, vous avez le Watermelon, que j'aime beaucoup aussi. Donc on dépose sur la tête littéralement. On essaye de faire en sorte que, vous voyez ça, la partie du milieu tombe à l'intérieur comme ça, ok. Et l'idée, c'est de bien, vous voyez ça, tout le temps bien faire en sorte que tout soit bien rangé. Comme ça, ça ne va pas vous déranger durant la journée, que vous serez vraiment bien à l'aise, ok? Après, encore une fois, c'est à vous de voir si vous voulez que la doublure se voit. Alors, encore une fois, on a cette doublure-là. Cette fois-ci, c'est une doublure, voilà, un peu or-orangé, comme ça. J'aime beaucoup aussi, hein, mais bon, après, on ne sort pas dans un endroit, enfin, on ne va pas aller dans un endroit super prestigieux ou chic ou quoi. Là, ce serait vraiment idéal de laisser la doublure paraître. Mais... supposons que c'est pour la vie de tous les jours, ok? Qu'est-ce que je fais? Ben, je tourne le tissu sur lui-même, comme ceci. Voilà ma petite technique pour cacher un peu la doublure. Hein. On va voir un tout petit peu paraître, mais ça ne me dérange pas. Et je fais une twist. Comme le watermelon est plus épais que l'autre, on ne va pas aller vraiment dans le sens inverse. On va plus suivre le mouvement. Voilà. On suit le mouvement
Et puis on regarde encore une fois où est-ce qu'on peut ranger tout ça. Voilà, ce qui va vraiment faire la différence en fait, c'est aussi la manière dont vous serrez et la manière surtout dont vous allez ranger vos petits bouts manquants. Vous voulez pas laisser un petit truc, vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment que ce soit super propre, super bien rangé. Alors avec celui-ci, je vais aller un peu plus loin même. Voilà, comme ça. Et ensuite, je vais ranger le bout. Donc pour cette fois, j'ai voulu laisser juste un petit peu doré comme ça. Je trouve que ça fait chic, pourquoi pas. Mais ce que je vous conseille fortement, c'est de prendre des petites épingles comme ça. Et ces épingles-là, ça va vous permettre d'être super, super libre et de faire des trucs hyper imposants. Si j'ai le temps, une fois, je pense que je vous ferai une sorte de vidéo comme ça où je fais des trucs un peu plus imposants et tout ça. Donc voilà, là, c'est plus des modèles que vous pouvez faire pour la vie quotidienne, tout simplement. Donc voilà, très simple, ça tient bien, ok? Je peux courir, prendre mon tram et voilà quoi, ça va tenir, tout va rester en place. J'ai vraiment l'air d'un hybride ici, moitié humain, moitié arachide. Le prochain, c'est le Safe Passion, que j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup les couleurs. Moi, je n'hésite surtout pas à être audacieuse avec mes turbans et tout ça. Moi, ça me dérange vraiment pas. Parce que je sais que c'est ça aussi qui dérange. Genre, ah oui, non, ça va pas avec tout et machin. Moi, c'est ce qui est joli, en fait. Plus c'est imposant, plus c'est coloré, plus c'est joli. Donc voilà, même s'il était fini, moi, je viens rajouter un peu des couleurs, un peu des cycles, un peu des savères dans la vie des gens. Ok? Alors, celui-ci, la doublure, je kiffe, mais comme pas possible. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est une couleur très orangée. En fait, bronze, mais... bronze orangé, on va faire quelque chose d'assez simple. Encore une fois, on rentre tout ce qui a rentré, bien sécurisé, pas de doublure visible pour nous aujourd'hui. Si vous voulez que ça soit visible, bah, c'est à vous d'hydrater la vie des gens. On fait encore un nœud. Je vais vous faire quelque chose d'un peu plus festif, moins pour la vie de tous les jours, mais juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Prends ça. Et je fais le tour et je rentre dans le trou que je trouve, voilà. Et ça là, pour les événements bien sûr, on ouvre tout simplement, voilà, et ça fait une sorte de petite fleur comme ça. Moi je trouve ça joli, mais après c'est vraiment quelque chose de très... faut aller quelque part quoi, ok? Voilà, vous êtes là avec votre petite robe ou je ne sais quoi, votre tenue hyper sobre et vous avez ça de super coloré, ça fait très chic. Moi j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi mais je me sens plus belle quand je mets mes turbans et tout ça. Je me sens plus jolie et je me sens plus femme comme ça. Si j'étais vous, j'épinglerais ça comme ça. Voilà, vous prenez une petite épingle, comme ça c'est mieux dessiné. Comme ça. Là, j'ai pas d'épingle sur moi, donc je vais essayer de rabattre ça un peu comme ça, voilà. Voilà. Et j'aime bien reculer un tout petit peu comme ça, pour qu'on voit un tout petit peu de mes cheveux. Et si vous voulez mettre du gel, vous pouvez mettre du gel. Je ne vais pas en mettre parce que j'ai d'autres foulards à faire. Là, un petit foulard si vous avez les cheveux super courts, ou alors si vous voulez comme moi tout simplement les garder sous forme de twist, on pose ça là comme ça. Là je prends le tissu Sisterhood et je viens tout simplement, je veux que mon V soit bien centré parce que ça lift le visage en passant. Voilà, le surplus on met à l'intérieur et je vais cette fois-ci pas trop serrer en fait,
Normalement, je le serre plus, mais j'ai envie qu'il soit beaucoup plus gros. Comme ceci. Et voilà. Je viens rentrer à l'intérieur. Je le bouge un peu pour que le V soit bien au centre. Celui-ci par contre c'est pas un safe, mais je l'aime vraiment vraiment beaucoup. C'est du kente, mais pas du vrai kente bien sûr. C'est un imprimé hein. Alors il faut vraiment bien toucher en fait pour voir ce que vous pouvez faire comme modèle avec le type de tissu que vous avez tout simplement. Ça c'est un tissu assez fin donc ça peut passer dans les moindres coins. On sait qu'on peut être super créatif aussi avec ce type de tissu, un peu plus même qu'avec les tissus un peu plus épais. Ce serait joli que je fasse un modèle assez Nefertiti comme ça. Donc je vais mettre ma petite boulette là, je vais la mettre cette fois à l'intérieur hein. Vous pouvez très bien laisser vos cheveux ou alors vos rastas ou n'importe quoi hein. Du moins que ce soit en hauteur, ok. Alors, je l'ai mis à l'intérieur. Alors, la différence avec l'attaché précédent, c'est que cette fois, on va essayer de tout garder bien plat. Ok, donc vous allez tourner de manière bien plate. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo là. Mettez des pouces bleus, ça me ferait vraiment trop trop plaisir. Allez me suivre sur Instagram et puis voilà, je mettrai toutes les infos concernant les foulards que je vous ai montrés en barre d'infos sur diapadé.com. Et restez connectés parce qu'il y aura d'autres collections de foulards safe. Et donc voilà, bisous bisous. Yeah, causing confusion. So my baby forgetting my alias. I love you.